Les flatulences sont des gaz qui se forment dans l'intestin à cause d'une accumulation de résidus alimentaires et d'altération de la flore bactérienne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toute heureuse de vous avoir à nouveau. Je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications cling clang cling 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 afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour. Alors sans plus tarder, c'est parti. Les flatulences ou gaz intestinaux sont provoqués par les aliments que nous consommons, par l'air que nous avalons en mangeant, ainsi que par les levures et les bactéries qui vivent à l'intérieur de notre corps. Ils sont principalement produits par la fermentation de bactéries dans le côlon. Les flatulences peuvent être inconfortables, mais ils sont surtout considérés comme honteux s'ils ne sont pas pathologiques au sens strict du terme. Ils peuvent révéler la présence d'un problème de santé. C'est l'un des symptômes les plus fréquents de l'indigestion et des intolérances alimentaires. Mais elles peuvent également se déclencher à cause de maladies digestives plus importantes. Elles se composent de particules d'hydrogène, du dioxyde de carbone et de méthane qui provoquent leur odeur désagréable si caractéristique. Généralement, elles ne représentent pas en soi un grave problème de santé, mais leur apparition provoque une inflammation abdominale, un mal-être stomacal à cause de leur mauvaise odeur, un stress social. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux remèdes d'origine naturelle qui, grâce à leurs propriétés, favorise leur élimination avant qu'elle ne génère davantage de gènes. Pourquoi souffrons-nous de flatulences? Nous pouvons tous souffrir de flatulences de manière ponctuelle. Cependant, il y a des personnes qui en souffrent beaucoup trop fréquemment. Ceci leur cause un grand mal-être au quotidien et influe leurs relations personnelles et professionnelles, leur routine, leur temps libre, leur repas, etc. Il y a des aliments qui causent des flatulences, comme par exemple les légumineuses ou les légumes crucifères. Cependant, dans de nombreux cas, nous pouvons souffrir d'une intolérance alimentaire qui affecte notre système digestif. Les plus communes sont celles du gluten et du lactose. Ces intolérances peuvent causer les flatulences, l'acidité, le gonflement, la diarrhée, la constipation, etc. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être liés à ce trouble, tels que le mode alimentaire ou les déséquilibres nerveux. Si vous souffrez de douleurs abdominales, en plus de vos gaz intestinaux, nous vous recommandons de consommer du jus d'aloe vera. Vous pouvez diluer le gel de cette plante dans un peu d'eau tiède, mais nous vous conseillons de le boire pur. Répétez l'opération tous les jours ou dès que vous ressentez des douleurs. Vous avez également l'anis vert, encore appelé les graines de carvi. Vous ne devez pas vous en passer si vous avez tendance à souffrir de gaz intestinaux, d'indigestion ou de colique. Les graines de carvi aident à stimuler la production de sucre gastrique et ainsi de réduire les flatulences. Pour ceux qui ne savent pas, on les appelle aussi l'anis vert. C'est généralement comme ça qu'on appelle ça chez nous en Afrique. On l'utilise généralement pour assaisonner les plats, pour faire du condré et plusieurs autres repas traditionnels. Comme ingrédient pour vous débarrasser des gaz, flatulences et tous ces inconforts, vous aurez besoin d'une cuillère à café de graines de carvi, environ 5 g. Encore appelé anis vert, comme je viens de le dire tantôt, d'un morceau de papaye, une tasse d'avoine, l'avoine est optionnelle, et d'une tasse d'eau. Préparation, découpez la papaye en morceaux, puis mettez tous vos ingrédients dans le mixeur. Ajoutez l'eau et mixez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et c'est prêt. Consommez-le avant d'aller vous coucher.
Si vous souhaitez optimiser les effets de cette boisson, nous vous recommandons d'en consommer 3 tasses par jour. Vous pouvez aussi mastiquer les graines d'anis pendant que vous buvez les autres ingrédients avec. Surtout, ne confondez pas les graines d'anis avec l'anis étoilé, car c'est 2 choses bien différentes. Aussi, la consommation régulière de cette boisson, surtout le soir avant de vous coucher. Et pour ceux qui sont en surpoids, la consommation régulière de cette boisson, surtout le soir au moment de vous coucher, vous permettra de brûler les graisses pendant que vous dormez. Car ceci va aider votre foie dans le processus de désintoxification de votre organisme, ce qui va accélérer votre métabolisme et favoriser la perte de poids rapide. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimeriez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci qui vont vous aider à mieux prendre soin de votre bien-être au 100% naturel, abonnez-vous, likez, commentez, partagez avec la famille, les amis, au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin que ça puisse aider un maximum de personnes. Alors, dites-moi également le nom du pays depuis lequel vous me regardez afin que je vienne laisser des cœurs sur ce beau pays depuis lequel je reçois votre soutien. D'ici là, prenez soin de vous, prenez vos bisous comme ça. Ouais, bisous, bye bye.